Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc là, je vous ai concocté une petite vidéo concernant 5 anthuriums faciles à vivre. Donc c'est-à-dire, c'est des anthuriums. Je vous avais fait une vidéo sur des plantes qui sont rares, faciles à vivre, parce que je voulais faire une vidéo spéciale anthurium. Donc c'est-à-dire que je vous ai sélectionné 5 anthuriums qui ne devraient pas vous poser trop de difficultés pour leur pousse. Vous savez que j'aime beaucoup les anthuriums velvet, donc ce sont vraiment 5 anthuriums velvet qui sont censés être pas trop compliqués. Alors, il y a des conditions bien sûr, c'est-à-dire que vous devez être à au moins entre 60 et 80% d'humidité, une température supérieure à 22 degrés, idéalement c'est 26, et puis des substrats adaptés, donc super drainants, des pots qui respirent, tout ça, ce sont des épiphytes, hein. Du coup on rejoint encore le drainage, l'humidité ambiante constante, et surtout j'insisterai sur l'hygiène de ces plantes. Donc, l'hygiène de ces plantes, c'est un petit peu comme nous, lorsqu'on se lave, on se débarrasse un petit peu de toutes nos peaux mortes, nos trucs un petit peu dégueu, nos microbes et tout. C'est pareil pour ces anthuriums, c'est-à-dire que ce sont des anthuriums qui attrapent facilement des maladies fongiques, enfin les nuisibles sont très attirés par ce genre de plantes, notamment les acariens, les araignées rouges, enfin tout ce que vous voulez, un peu comme les orchidées, ça rejoint un petit peu la même culture que les orchidées. Donc il faut régulièrement les savonner au savon, alors, tout simplement, rien de méchant, mais vous devez prendre l'habitude de les laver régulièrement en journée et surtout ne pas laisser leur feuillage mouiller la nuit. Il faut vraiment que leur feuillage soit sec la nuit, tout simplement pour éviter les maladies fongiques. Sachez que c'est ça en fait ce qui est important avec ce type d'anthurium, c'est les habitudes que vous devez prendre avec. C'est pas des plantes difficiles en soi, une fois que vous avez les bonnes conditions de culture, franchement tout va bien, elles poussent hyper facilement. Mais si vous n'avez pas ces petites habitudes, ça veut dire les engrais, parce que c'est des plantes à fleurs en fait, hein, elles fleurissent très facilement, donc elles mangent beaucoup d'engrais. Donc ça, il faut leur faire des apports réguliers, il faut les rempoter régulièrement aussi, parce qu'elles ont des racines qui se développent comme des épiphytes, donc très très vite et vraiment très rapidement, elles envahissent leur peau. Pas forcément les rempoter dans des pots plus gros, mais juste changer le substrat, c'est-à-dire le renouveler pour que le substrat soit toujours neuf et que qualitativement la plante elle puisse subvenir à ses besoins. Parce que si vous lui donnez une bonne exposition, mais un engrais de merde, enfin un terreau de daube, ça poussera pas bien en fait. Donc du coup elles ont toujours besoin d'être constamment nourries entre guillemets. Donc une fois que vous avez saisi tout ça, bah, vous pouvez commencer votre collection par les 5 plus simples, enfin celles que j'appelle simples. Parce qu'il y en a d'autres, hein, mais celle-ci j'ai choisi un petit peu les variétés que vous pouvez trouver maintenant à l'heure actuelle sur des sites en ligne qui sont distribués un petit peu plus facilement qu'avant. Donc du coup voilà, si vous les trouvez, n'hésitez pas trop puisqu'ils sont vraiment pas difficiles, enfin vraiment, une fois que vous avez donné tout ça, tout va bien. On va commencer par le classique anthurium que tout le monde croise, tout le monde a croisé, tout le monde voit, c'est notre cher anthurium clarinervium. Donc le voilà. Donc ça c'est un bébé, il est un peu poussé quand même, mais voilà, c'est un anthurium très 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 facile, il ne nécessite pas énormément d'humidité, 60% ça lui va tout à fait. Se bouture facilement, c'est une plante qui pousse relativement vite. Elle vous fait, moi elle me fait des feuilles une fois par mois. J'en ai des très gros pieds dans le jardin, mais vraiment les feuilles elles font le double de ça, vous imaginez pas la taille que ça peut faire adulte. Voilà, je lave son feuillet régulièrement au savon noir, c'est tout, pour éviter que j'ai des maladies qui se déclarent ou des nuisibles qui se collent dessus. Un feuillage d'anthurium qui commence à se ternir, c'est très très mauvais signe. Soit c'est une attaque fongique, soit c'est une attaque d'acariens, de nuisibles, enfin bref. Ça, c'est un signe d'alerte pour vous. Un feuillage qui n'est plus sombre, qui vraiment commence à se voiler, tout ça, plus les bords jaunes et tout, ça c'est très très mauvais. Il faut traiter. N'hésitez pas à les couper à ras. Ça, ça marche très très bien chez eux. C'est-à-dire que moi, parfois, pour pas me prendre la tête, pour pas les traiter, pour pas augmenter les maladies, ce que je fais, c'est que je réduis la surface de traitement, c'est-à-dire que je coupe les feuilles les plus atteintes. Alors c'est un petit peu chiant parce que vous diminuez la dose de chlorophylle pour la plante, mais je préfère ça parce que tant que le tronc il est sain, en fait la plante elle va redécoller, elle va puiser dans son tronc pour repartir, refaire des racines et des nouvelles feuilles. Puis ensuite des nouvelles racines vont apparaître et ça, le cycle va reprendre. Moi mes clarinerviums, une année, j'ai tout coupé, vraiment tout coupé, parce que elles avaient une grosse attaque d'acariens, et ça, j'arrête pas de vous le dire, hein, qu'elles sont sujettes aux acariens. Mais c'est pas une blague, hein, je vous assure. Les velvettes là, c'est pas du tout le même traitement qu'un anthurium plus classique comme les andreanum qui sont beaucoup moins sujets à tout ça quoi.
Donc voilà, le clarinervium que vous pouvez trouver à des prix généralement beaucoup plus... moi, je peux le trouver par exemple à 25 € sur des sites. Je crois qu'il a été vendu à La Réunion à Camvert à 39 €. Donc du coup, voilà, c'était accessible quand même pour un anthurium classé plus ou moins rare. Sachez que c'est du plant de tissu culture hollandais la plupart du temps, donc c'est-à-dire qu'elles ont été reproduites en masse du côté hollandais. Donc je désespère pas qu'un jour les autres anthuriums subissent le même sort et qu'on puisse en avoir un petit peu plus à disposition sans les faire venir d'Équateur. Deuxième anthurium facile, le Magnificum, traditionnel Magnificum. Alors celui-ci, je vous en ai pris un petit, tout simplement parce qu'ils sont gros. Donc du coup, voilà, c'est vraiment très particulier parce qu'il a un feuillage très très sombre, mais vraiment très très sombre. Il en existe plusieurs sortes de Magnificum, hein. Donc, du coup, en fonction de la provenance de son continent, vous pouvez avoir le Verde, le Norte, le vrai Magnificum d'Équateur, qui a un pétiole, qui n'est pas quadrangulaire, mais plutôt avec des vaguelettes dessus. Celui-là, il est magnifique, il vous fait des feuilles de 90 à 1,20 m facile. C'est des plantes qui poussent extrêmement rapidement, extrêmement bien. C'est-à-dire qu'elles se cultivent comme le clarinervium, très très facilement. Elles n'ont pas besoin de, comme certains anthuriums ont besoin, de 90% d'hydrométrie pour pousser. Ça, c'est le cas par exemple de l'anthurium marocainum, qui a vraiment besoin d'une hydrométrie très 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 élevée pour pouvoir pousser. Donc celui-ci, c'est vraiment un facile. Vous pouvez même laisser sécher le substrat, il n'y a pas de souci, juste sur le dessus, donc c'est-à-dire 1 cm maximum, avant de réarroser. Là, par exemple, il y a un substrat arrasé. Il est sec sur le dessus, si vous regardez. Vous voyez ? Pourtant, je suis à 30 degrés et tout va bien. Et là, il faut que je le réarrose parce que ouais, il commence à être bien sec. Donc, et tout va bien. Regardez, il n'est pas en train de décéder. Donc, du coup, voilà, c'est des plantes méga faciles à vivre. Elles supportent très bien la sécheresse. Pas comme l'anthurium, vous reconnaissez, vous ne pouvez pas les laisser sécher comme ça. Si je vous en parle, c'est qu'ils ont une fenêtre d'arrosage qui est assez large finalement. C'est-à-dire que vous pouvez les laisser sécher jusqu'à 1-2 cm, comme vous pouvez les arroser à donf s'il fait chaud en été. Si par exemple il fait très chaud en été, n'hésitez pas à pipiter sur leurs feuilles, à les baigner, à les doucher. Ça, ils adorent. En été, plus il fait chaud, plus ils adorent. C'est un petit peu comme dans leur habitat naturel où c'est un peu la mousson durant l'été. C'est beaucoup la mousson. Du coup, il pleut tout le temps et ça, elles adorent. Donc, plus il fait chaud, plus vous pouvez y aller, hein. Plus vous pouvez les arroser. Pas forcément attendre que ça sèche à fond, à fond, à fond. Là, elles vont vous adorer. Il y en a qui font le système des cabines Ikea, donc c'est-à-dire qu'ils achètent les vitrines Ikea, ils mettent leurs anthuriums dedans avec des lampes horticoles et tout ça. Sachez que ça fonctionne très très bien pour eux. Vraiment, ils adorent. Ils adorent être enfermés dans cette atmosphère un petit peu humide avec les lampes horticoles dessus. Ça permet de les chauffer. Par contre, ne vous abstenez pas de les laver. Hein. Clairement, ils aiment être douchés. Donc, du coup, même dans ce type de truc, laver leurs feuilles régulièrement, c'est ce qui va vraiment les sauver, on va dire, des nuisibles et tout ça. Moi, souvent, c'est des problèmes de nuisibles que j'ai qui font que leur feuillage devienne moche, on va dire. Donc celui-ci, ben, c'est très facile, mais pareil comme le clarinervium, il faut les doucher et les laver régulièrement leurs feuilles avec du savon noir. Un troisième qui est très 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 facile aussi, qui n'est pas très exigeant, c'est le cristallinum. Donc lui, il a un petit peu pris cher puisque je ne l'ai pas arrosé pendant très longtemps. Je l'ai oublié dans un coin du jardin. Je suis une vilaine. Donc le cristallinum, il ressemble beaucoup au magnificum, c'est juste qu'il a des nervures très argentées. Vous verrez qu'il n'a pas cette feuille en forme de cœur. On le confond beaucoup avec le clarinervium. Il a une feuille beaucoup plus allongée, beaucoup plus la forme du magnificum, avec le sinus qui est rouge, un petit peu au-dessus, là, si on regarde. Le pétiole, il est rouge derrière. Il est rond. Voilà. Ça, c'est un cristallinum. Voilà. Il est largement distribué, mais vous ne le trouvez pas facilement, mais sur des sites en ligne, franchement, je l'ai vu apparaître plein de fois, entre 50 et 100 €, on va dire. Donc voilà, c'est quand même assez abordable. Sachez que c'est une plante qui est facile, c'est-à-dire il pousse vite, il pousse bien, c'est pas un relou. Il est parfois beaucoup plus sujet, malheureusement, aux attaques fongiques, comme on peut le voir, un peu comme le clary, voilà. Ça, c'est pas une attaque fongique, mais ça ressemble à ça, les attaques fongiques. Donc
Donc du coup, il est traité. Donc ça veut dire que je vous passe tout le temps du savon noir. Puis ça a l'air d'aller hein, quand même. Même si les feuilles sont un petit peu dégradées. Sachez qu'obtenir une feuille parfaite chez un anthurium, c'est compliqué, c'est dur. Ne vous en voulez pas parce que la feuille, elle n'est pas super jolie, qu'elle n'est pas 100% parfaite. Franchement, on sait que c'est dur la culture des anthuriums. Donc avoir la feuille parfaite, c'est compliqué. En tout cas, moi, si vous me montrez une feuille de vos anthuriums avec des feuilles pas parfaites, mais vous arrivez à les faire croître et pousser, même si elles sont pas parfaites, mais moi je vous dis bravo, bravo, vous y arrivez quand même. C'est pas des plantes faciles quand même, hein, même si voilà, et puis il faut se donner les moyens de pouvoir les faire pousser. Donc déjà leur coller la lampe horticole, coller l'humidificateur ou même acheter une vitrine IKEA juste pour les mettre dedans, mais bravo, c'est déjà pas mal quoi. Donc voilà, et à force peut-être que vous finirez par avoir ces feuilles parfaites. Et sachez que c'est pas la catastrophe, vous y arrivez pas. Hein. Franchement, regardez, les miennes, elles sont pas 100% parfaites non plus. Alors, un autre qui est super facile aussi, qui n'est pas très chiant, c'est le Forgetti. Alors, je vous l'ai dit, le mien il vient d'arriver, il n'a pas 2 mois ici, mais il pousse très 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 bien. Ça, c'est les feuilles de transport, hein, prix cher, hein, forcément. Voilà, il est vraiment très très beau. Bon, ça, c'est moi, hein. Je pense que j'ai passé mon doigt là où je devais pas, comme d'hab. Hein. Voilà, je fais un trou. Mais c'est un anthurium très très facile qui a une croissance assez rapide en plus. Donc, du coup, je trouve que c'est un anthurium un peu comme Onclari, un peu comme le Magnificum du Class Crystallinum. Croissance rapide, il se plaît un petit peu partout, pas chiant sur l'exposition, lavage régulier, pot drainant, donc ça c'est un pot d'hydroponie, donc c'est des pots hyper aérés, il est en substrat aracé, donc c'est-à-dire c'est le substrat dont je vous parle assez régulièrement pour quasi toutes les aracées. Moi c'est un petit peu plus lourd que vous, mais moi c'est 50% de terreau, 40% d'écorce et 10% de perlite, mais vous pouvez un peu plus l'alléger puisque moi je suis en région tropicale, donc du coup je vous recommande vous de plutôt passer à 40% de terreau, 40% d'écorce et 20% de perlite, augmenter votre drainage. Mais c'est vraiment un anthurium facile, hein. Je veux dire, il n'a pas besoin de... Moi j'étais à 60% d'humidité, il pousse en fait. C'est pas un problème, il ne brunit pas facilement. C'est-à-dire qu'il faut y aller quand même pour le faire brunir, il faut vraiment le laisser sécher extrêmement, le mettre dans des conditions extrêmes de sécheresse. Hein. Et là il va vous brunir, mais franchement il est méga facile quoi. Et le dernier, enfin, le tout beau, c'est le papilaminum. Alors celui-ci, on pense que c'est un hybride, enfin on pense que ça reste un papilaminum quand même. Il est assez typique, on le reconnaît à la forme de son feuillage. C'est un gros, hein, c'est un gros pépère celui-ci. Il est très facile en fait de culture, il est très rapide, il est très facile, il se plaît partout. Il pousse, en fait c'est la même exposition qu'un philodendron si vous voulez, il y a un ordre d'idées en fait sur l'exposition. Ils n'ont pas besoin de vous forcer trop sur l'exposition. Plus vous allez forcer sur l'exposition ces anthuriums, et plus ils vont jaunir en fait. Ils vont s'éclaircir, ils vont jaunir. Moins vous forcez, c'est-à-dire vous êtes en lumière indirecte, mais comme il faut, en fait, vraiment comme les philos, vous verrez, le filage va être très très sombre. Vraiment très très sombre, comme mon cristallinum, comme mon clarinervium, qui sont vraiment très en retrait de la source d'exposition. Ils sont à 2-3 mètres, en fait, de la source d'exposition, et ça leur va complètement. Il n'y a pas de problème. Donc du coup, voilà, le papilaminum, c'est vraiment une plante hyper, hyper facile, qui racine très, très facilement, comme les autres, en fait. C'est vraiment un comportement qui tolère très, très bien une sécheresse, tolère très, très bien l'excès parfois, c'est pas un souci. Moi, je trouve que c'est vraiment des anthuriums hyper easy, qui poussent... sans trop d'entretien. Il y a des anthuriums qui sont beaucoup plus difficiles, comme le Warwickinum par exemple, qui est une plante voilà, qui est magnifique, mais par contre, qu'est-ce qu'elle est chiante. Elle est chiante, elle lui faut absolument ses 90%, sinon elle va vous faire la misère. Il y a des anthuriums comme ça, un petit peu velvet, qui sont beaucoup plus difficiles. Les Softpaid en fait partie, les hybrides qui descendent de parents difficiles, type le Dark Mama, type... voilà, il y a des variétés vraiment beaucoup plus... Le Doriaki fait partie de ces plantes difficiles. Le Silverbush, il est pas si difficile que ça. Enfin, c'est pas moi qui... Il est pas chez moi, il est chez quelqu'un d'autre, mais je l'ai. Mais je sais qu'il est pas très difficile. Par contre, le Doriaki qui lui ressemble absolument, il est beaucoup plus difficile. Et savoir pourquoi. Donc du coup, voilà, c'était mon truc, un petit peu mon truc pour vous aider, parce que si vous avez décidé en 2021 d'investir dans les anthuriums Velvetti, je vous conseille ces 5-là. Voilà, ils sont vraiment hyper easy et tout ça. Pas forcément le régal, hein. Là c'est encore un autre truc, le régal, c'est pas aussi facile que ça. Donc du coup, voilà, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo YouTube.